bien parce que moi je vais super bien, je vais extrêmement bien, je vais trop bien en fait. Je vais vous dire pourquoi. En fait, ce matin, je suis particulièrement, même vraiment spécialement contente parce que après deux ans, après deux longues années, William a enfin pris une décision. William a enfin décidé de faire sortir le film, la comédie musicale, La femme de quelqu'un, après deux longues années. Bientôt trois ans. Oui. Ouais, Seigneur, depuis qu'on a tourné le film là, je dis à William B, la projection c'est quand B, il dit attends, attends, on doit faire ça, on doit faire ci, on doit. Voilà que ce matin, il m'annonce que voilà, B, c'est bon. On va projeter La femme de quelqu'un. Donc voilà, le soleil d'amour, La femme de quelqu'un sera bientôt en avant-première dans les villes de Douala et Yaoundé. Je suis trop contente. Je m'imagine déjà, moi devant, et le soleil derrière moi, tous ensemble en train de regarder La femme de quelqu'un. C'est la magie. C'est la magie. La femme de quelqu'un avec Monsieur Passy Décor, avec la légende Alice Fashion. Et... C'est quoi mon cœur? C'est quoi? Viens. Vraiment, Soleil d'amour, je suis trop contente. Je suis trop contente. Ça me fait plaisir, n'est-ce pas, Soleil? Quand maman est contente, tu es contente aussi, non? Mais le Soleil n'était pas encore né. Mais le Soleil n'était même pas encore dans le ventre. On ne savait même pas que le Soleil allait naître. Oh, ça fait du bien, mais Soleil d'amour, vraiment, ça fait du bien. Comme je vous disais, la femme de quelqu'un sera bientôt en projection. Donc, apprêtez-vous, ça va chauffer. Je veux voir tous mes soleils du monde entier avec moi le jour là. Même mes soleils qui ne sont pas ici au Cameroun, je sais que vous allez gérer. Vous achetez les billets de vos papas, de vos mamans et tout. Ils vont venir à la projection. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. On va tous regarder La femme de quelqu'un, c'est la magie. Vous allez apprécier. Je vous rappelle que c'est un film. Hein. Quand je dis un film, ça veut dire un film. Je suis actrice là-bas, je ne suis pas comédienne. Voilà. Laissez-moi vous dire que juste après La femme de quelqu'un, on va enchaîner les films, les longs métrages. C'était ça le blocus en fait. Donc maintenant, sinon, c'est la porte d'entrée dans le high level. Je suis contente jusqu'à oui. Merci d'amour. Oh. C'est ce que je voulais vous dire ce matin. Je suis contente. Donc réservez, achetez déjà vos tenues pour l'avant-première. Réservez déjà les billets. Voilà. C'est ce que je voulais vous dire. Qu'est-ce que je peux encore vous dire? Ok. Merci d'amour. J'ai deux petites choses pour vous. Vous savez que moi, je n'aime pas garder les bonnes choses pour moi toute seule. Quand je connais quelque chose qui me plaît, qui me donne du plaisir et tout, je partage toujours avec tout le monde. Et voilà, ma communauté soleil, on se doit de tous briller. Je ne peux pas briller toute seule et laisser les autres dans le noir. C'est quoi mon cœur? Quoi? Tu veux parler? Dis bonjour, soleil. Dis bonjour. Dis bonjour. Voilà, mes soleils d'amour. Je voulais vous parler de mes bijoux. Mes soleils d'amour, la boîte à bijoux vient de chez Christy Belle Déco. Voilà. En fait, c'est la boîte à pinceau. Mais moi, j'ai dit, je vais mettre mes bijoux parce que vous savez que le make-up et moi, on n'est pas de la même famille. Christy a dit, oui, tu peux mettre tes bijoux. Donc, voilà. Mes bijoux maintenant, attendez. Ne parle pas. Regardez seulement. Regardez cet ensemble s'il y a les boucles. Regardez les jolies boucles, les jolies boucles que j'ai. Vous dites que oh, je suis trop simple et tout et tout et tout. J'ai décidé que ok, je vais faire un peu de... Je vais faire briller mon visage. Voilà. Là, ce sont les bijoux. Pièces uniques, hein, s'il vous plaît. C'est des pièces uniques. C'est pas le genre que tu vas porter, tu vas voir les filles dehors avec. Voilà ça. Je sais même pas. Les autres doivent être dans mes sacs là-bas. Alors, mes soleils d'amour, je vous explique. J'ai déniché ces petits bijoux, ces jolies boucles chez Tata Huguette. Voilà. C'est Tata Huguette qui vend ces jolies boucles-ci, ces jolies articles-ci. Tata Huguette, c'est ma belle soeur chérie. Voilà. Donc, Tata Huguette. Je suis en train de présenter des articles à mes soleils. Mes soleils d'amour, vous devez contacter Tata Huguette pour avoir des pièces uniques. Je dis bien uniques. Tu ne vas pas marcher, voir une fille avec ça. Non, non, non. C'est unique. Et quand tu mets ton visage, il brille. Oh, il me faut fouiller mes sacs pour trouver les autres.
Alors voilà, ça c'est une broche. Bon, mais comme ça, vous vous rappelez quand je suis partie à la levée de corps, la grande mère tempérée, j'avais ça. Voilà. Il y a une autre broche aussi, ça comme je l'ai placée. Ça aussi, ma barrette que je mets derrière. Voilà. C'est comme ça, il bête. Alors, mes soeurs, je vais vous laisser son contact. C'est ça que vous aimez demander les contacts. Donc, je vous laisse les contacts. C'est des pièces souris. Ça là, c'est style Bob Marley. Vous pouvez la téléporter avec. C'est quoi, mon cœur? C'est quoi, maman? Attends, c'est dans le numéro de maman Yvette. Je vais le manger. Attends, mon cœur. Alors, mes soleils d'amour, voici le numéro de Tata Yvette. C'est quoi, non, soleil? Ouais, maman. Attends, mon cœur. Voilà, le 6, 97, 47, 87, 38. Il y a beaucoup de 7 dedans. Le 6, 97, 47, 87, 38. Voilà. Le numéro de Tata Yvette, vous l'appelez. Voilà. Vous lui écrivez sur WhatsApp. Elle vous présente les articles qu'elle a. Vous faites votre choix et vous gérez. Venez, je vous montre la deuxième. Soleil. Alors, mes soleils d'amour, je vous présente cette étagère. Laissez-moi vous rappeler que c'est une simple étagère, c'est-à-dire qu'elle peut être positionnée partout dans la maison, même à la cuisine, dans la chambre et tout. Alors là, j'ai préféré la positionner ici, aux toilettes, question de ranger tous mes produits et tout, et tout, et tout. Elle peut être positionnée sur le pot comme ça, ou la machine à laver et tout. Donc voilà, mes soleils d'amour, ça vous permet de ranger. Il n'y a rien qui traîne dans la douche, vous rangez tout là, le lait de toilette, vos démaquillants, tout, vous libérez l'espace dans la chambre et tout, les détergents, tout, vos salades, tout, vous mettez là, ça prend tout. Regardez, il y a même encore de l'espace, je dois combien de... Je vais mettre un petit pot de fleurs aussi et tout. Donc, mes soleils d'amour, ça vient de chez Christie Belle Déco. Il y a aussi la couleur rose. J'ai laissé la couleur rose là-bas. Je ne sais pas s'il y a d'autres couleurs, mais j'ai laissé la couleur rose. Je trouve que c'est très joli, c'est pratique. Vous montez ça, c'est très facile à monter. C'est Olinga qui m'avait aidé à monter ça. Donc, c'est hyper facile, hyper pratique. Et range tout en fait. Christie Belle Déco. Vous connaissez l'adresse de Christie Belle Déco. C'est à Bepanda. Voilà. Bepanda entre Stade Omnisports et Cantel. Ici à Yaoundé, c'est juste avant le marché Coleton, l'entrée du marché Coleton, c'est à Batalongkang. Voilà, mes soeurs d'amour, vous contactez les numéros pour vous procurer de ce range-tout. Voilà, moi j'appelle ça un range-tout. Alors, mes soeurs d'amour, voilà ce que je voulais partager avec vous ce matin. Moi, je partage toujours mes petites astuces avec vous. Voilà. Et ok, j'ai fini avec le chapeau-ci. Le chapeau-ci, c'est le travail de ma belle-maman. C'est ma belle-maman qui confectionne tout ça avec les articles traditionnels, les outils traditionnels et tout, les colliers, les bijoux, tout traditionnel là. À Bafoussam, c'est son travail. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'elle peut encore partager avec le soleil? Ah, tu partages une mon cœur. Ok. Bon, le soleil d'amour, attendez. Je vous montre. Oh, voilà. Regardez ce joli porte-clés. C'est aussi Tata Huguette. Avec miroir, pardon. C'est Tata Yvette. Voilà. Donc, mes soeurs d'amour, vous la contactez pour vos jolis articles et tout, et tout, et tout. Alors, mes soeurs d'amour, j'ai fini de partager le peu que je peux partager avec vous ce matin. Gardez la soleil attitude, s'il vous plaît. Gardez la William attitude. Et surtout, gardez la foi. Que Dieu vous bénisse. Gardez le sourire, même si ça ne va pas. Souriez. Voilà. Bisous.